Choisis la vie. J'aime la beauté de ton âme. Quand tu me parles et que tes paroles sont habitées par toi, quand chacun de tes mots résonne d'une vibration particulière, quand ta voix donne à ces mots tout leur poids, parce que c'est ta voix, la vraie, celle qui vient du profond de toi, alors je vois toute la beauté de ton âme. Et cette beauté m'ouvre à ce que j'ai de meilleur en moi. Tu me donnes accès à cette partie que j'avais abandonnée. Tu me remets dans la lumière, la beauté de la relation avec des êtres vrais. Tu me remets dans la lumière du Christ, la vérité. J'aime la beauté de ton âme, car tes mots ont du poids, et ce poids, c'est le poids de gloire de Dieu. L'âme du violon n'est qu'un petit morceau de bois de quelques centimètres, placé au centre de l'instrument. Mais aussi simple qu'elle soit, elle est importante. C'est elle qui communique les vibrations à toutes les parties du violon en s'appuyant sur le fond de l'instrument. Elle donne au son sa qualité, sa clarté et sa puissance. Elle fait vibrer les autres violons alentour. Voilà, ton âme est ainsi. Elle s'appuie sur des bases solides, la pierre angulaire qu'est le Christ. Elle irradie de la lumière de Dieu, la lumière de l'Esprit-Saint qui fait toute œuvre de vérité. Elle donne la puissance au Verbe, avec la puissance du Verbe qu'est le Christ. Une musicalité à tout l'être, et c'est grâce à l'Esprit-Saint que tout ton être retrouve sa musicalité, sa grâce. Et de ce fait, tout le monde est à l'unisson avec toi. Alors merci pour la beauté de ton âme. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu donnes. Merci parce que tu es créé merveille aux yeux de Dieu. Merci parce que Dieu t'a créé beau, belle, qu'il a créé une merveille avec ton âme. Elle reflète non seulement en toi, autour de toi et sur l'humanité entière. Quelle joie !